Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel. Vie quotidienne de décembre 2022. Je dis vie quotidienne pour ceux qui n'ont plus de travail, par exemple les retraités, ceux qui n'en ont pas, ou même ceux qui en ont, mais qui ont d'autres activités à côté qui leur importent beaucoup plus en ce moment. Par exemple, vous avez un boulot, mais vous avez une compétition sportive juste à côté qui vous demande beaucoup de travail et d'efforts, et vous avez envie de savoir comment ça va se passer, par exemple. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler aux Gémeaux de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre tirage, hein, à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez, afin d'avoir plus ample détail ou de recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que ça peut parler à certains Gémeaux aujourd'hui et parler à d'autres Gémeaux à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir ici si ça ne vous parle toutefois pas tout de suite. Voilà, pour terminer, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition pour le premier semestre, la guidance sentimentale de décembre, la guidance générale de décembre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Voilà. De quoi passer 6 saisons en ma compagnie au lieu d'aller sur de payer un abonnement. Ok, on se retrouve là, ici, maintenant avec l'énergie principale. Je tenais à vous remercier pour vos likes hein, qui ont été très importants ce mois-ci. Vous m'avez beaucoup soutenu, je vous invite à continuer. Ça m'a permis d'avoir une belle visibilité et de faire grandir beaucoup la chaîne. Donc merci à vous hein, pour votre aide et votre soutien. Continuez comme ça, je vous adore. Merci, alors on y va. Par contre, je vous adore, mais j'aimerais bien vous offrir des messages plus sympas que la roue de fortune inversée. On dirait qu'il y a quand même quelque chose qui s'enraye dans cette roue. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui part en sucette, hein, j'ai l'impression. Ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler d'une mutation qui n'était pas prévue, d'un sentiment d'instabilité, de ne pas se sentir sécurisé, d'avoir une certaine inconsistance, insouciance, d'en avoir ras-le-bol tout simplement, de ne pas avoir vraiment envie de travailler, de ne pas vraiment faire d'efforts. C'est plutôt un changement qui va vers le négatif. J'ai l'impression quand même que la situation est en train de s'enrayer pour vous, les Gémeaux, et que vous essayez véritablement de vous sortir de là. De mémoire, j'ai l'impression que vous visez un nouveau départ professionnel pour certains. Hein, et on voit qu'ici, la machine s'enraye parce que la solution n'est peut-être pas encore trouvée et que finalement, il faut bien provoquer les choses d'une manière ou d'une autre, de façon positive ou négative, pour aller vers du renouveau. Ici, ça peut nous parler de ça avec cette roue de fortune qui n'apporte pas forcément voilà, je pense qu'on en a ras-le-bol. Il y a une situation dans laquelle on s'enlise. C'est vraiment ce que je ressens avec cette roue de fortune qui ne nous permet pas d'avoir du changement et de la nouveauté, hein, puisque c'est comme si on avait le magicien inversé aussi. Donc il y a une sorte d'inconstance. On n'est plus dans ce qu'on est en train de faire, hein, quelque part. Quelle est l'énergie qui va vous aider, les amis Gémeaux, pendant ce mois ? Nous avons le valet de bâton, l'envie de partir, ça c'est la première chose, le mouvement. Et ça peut aussi nous parler de communication, d'une communication qui nous permet de débuter un nouveau désir. Le valet de bâton, c'est un nouveau désir, plaisir, besoin qui apparaît ici et qui nous est apporté peut-être par une communication. Donc on voit que la roue de fortune, on en a ras-le-bol, mais que peut-être à un moment dans le mois, on va être soutenu par soit un appel téléphonique, soit quelque chose qui va nous apporter en tout cas un petit peu plus de respiration, j'ai envie de dire. Vous en avez besoin, semble-t-il, avec ce valet de bâton. En tout cas, lui, il représente l'activité, l'énergie déployée pour la réalisation de vos actions. Et donc, en gros, il est porteur de bonnes nouvelles, hein. Il apporte quelque chose de une élévation matérielle, financière, concrète, spirituelle, qui peut vous permettre d'avancer.
En tout cas, d'avoir le sentiment d'avancer. Pour l'instant, on va dire que la roue, elle n'a pas envie d'avancer. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec cette roue inversée? Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est finalement quand on s'investit peu, quand on est peu engagé dans quelque chose. Ici, j'ai l'impression que vous avez des difficultés à voir sur le long terme. Avoir sur le long terme. Vous voyez la situation bloquée sous le nez, comme ce que vous avez sous le nez. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que cette situation essaye, à quoi cette situation essaye de vous préparer, par exemple. Vous ne voyez pas de pérennité non plus. Hein. Ici, on ne voit plus de... Très certainement, pour certains d'entre vous, on ne voit pas comment on pourrait, par exemple, rester dans une telle entreprise, parce qu'on ne se voit pas en sécurité avec cette carte, pardon, qui nous parle justement peut-être d'avoir envie de beaucoup plus de sécurité, de se sentir beaucoup plus stable et d'avoir l'impression qu'on peut avoir, entre guillemets, une longue vie au sein de notre service ou de notre entreprise. Alors, je vais rajouter une énergie, tiens. Une énergie sur le positif avec le valet de bâton. Que nous dit ce valet de bâton pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en décembre? Avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? Le 3 de denier. La possibilité peut-être de travailler en équipe avec quelqu'un, avec succès ici. Peut-être une proposition aussi. Une petite avancée en tout cas. Une petite avancée par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Comme si on pouvait apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et dans le négatif, avec ce cavalier de denier, qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui vous empêche, qui vous freine finalement dans votre vie professionnelle ici? Le 3 de bâton. Alors, je vous parlais ici avec le cavalier de denier de ne pas se projeter dans la durée. Hein. Et ici, on voit 3 de bâton, on n'arrive pas à se projeter du tout, on n'arrive pas à aller dans l'avenir et imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière une autre vie, un autre travail, une autre entreprise, d'autres collègues, peut-être une réorientation ou quoi, on a du mal à se projeter. Et c'est peut-être aussi parce que finalement, on ne sait peut-être pas trop ce que l'on veut faire, dans quoi on veut s'investir, que les choses sont un peu bloquées ici. Ok, avec l'oracle Bélin, nous avons l'énergie... ici, du cloître et de Saturne, de la grâce et de Saturne, du retard et de Saturne. Bon, Saturne, hein, c'est les restrictions, c'est les limitations. Donc là, on voit que la situation est quand même, entre guillemets, difficile. Hein. Vous en avez ras-le-bol, les choses n'avancent pas, vous vous sentez en prison, vous vous sentez peut-être, entre guillemets, en disgrâce, mais j'ai plutôt envie de dire, hein, cet oiseau, il tombe, il perd un peu sa liberté, il se sent un peu, quelque part, soumis aux circonstances. Et ici, on voit cette roue, hein, on retrouve cette roue qui est bloquée dans deux rochers. Il y a quelque chose de psychorigide, de dur ici, de froid, hein, des règles. Alors, c'est soit des règles que l'on vous impose, c'est soit des règles que vous vous imposez. Ce sont en tout cas des ralentissements qui ne vous permettent pas de vous libérer. Saturne vous oblige à regarder la vérité en face. Pourquoi vous êtes bloqué? Si vous êtes bloqué, c'est peut-être que vous détestez votre métier, par exemple. Et que Saturne vous dit, si vous détestez votre métier, changez. Et vous n'en avez peut-être pas le courage. Donc, d'un seul coup, Saturne vous dit, mais change ton métier. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu es bloqué. Donc, si tu n'acceptes pas ce qui doit être accepté, ça restera bloqué. Donc, voilà, c'est ça, hein, ça, l'énergie de Saturne. C'est avoir des restrictions qui nous obligent à les dépasser. Ici, vous avez vos barrages, vos limitations, vos limites, vos barrières. Et on vous invite à les dépasser, à arrêter de rester devant cette porte en vous disant « je ne passerai jamais, je ne passerai jamais, je ne passerai jamais ». Vous allez essayer d'escalader ce mur parce que vous acceptez qu'il y ait une porte, que ce soit bloqué. Voilà, en tout cas, on ressent vraiment beaucoup d'énergie de blocage, de ras-le-bol. Je vais rajouter... Allez, une carte pour les trois
sur ces trois énergies saturniennes par rapport à la situation professionnelle des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur ces trois énergies saturniennes? C'est aussi... ça vous demande une certaine forme de rigueur, hein, Saturne. Si vous êtes un peu haut la main ici, un peu inconstant à cause de cette roue, c'est-à-dire un coup j'y vais pas, un coup je fais pas, on vous dit ici d'être beaucoup plus rigoureux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces énergies saturniennes ici, dans la situation professionnelle des Gémeaux en décembre? Le 7 de coupe, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à choisir et renoncer. Ici, 7 de coupe, c'est plein d'opportunités possibles. Hein. Il suffit de choisir ce que l'on veut, soit suivre une passion, soit être extrême, soit suivre son instinct, soit faire des choix pour son bonheur, soit choisir les joyaux, soit choisir son désir, soit choisir la sexualité, entre guillemets. Voilà, tous les choix que l'on peut avoir avec ce 7 de coupe. Seulement, bah, si vous choisissez cette coupe, vous renoncez peut-être à celle-ci. Et il vous faut l'accepter, choisir, c'est renoncer. On est ici, hein, vous ne savez peut-être pas quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits. Parce qu'il y a aussi les souhaits ici, hein, une énergie de souhaits. Et peut-être aussi une certaine forme d'illusion. On rêve que les choses vont arriver par elles-mêmes et que peut-être on n'aura pas à intervenir. Ça va tomber tout cuit. Ok, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois? Nous avons la lune qui apparaît inversée, en tout cas beaucoup de peur, d'inquiétude, même de déprime pour certains, une certaine forme de pression personnelle et interne, des ressentis douloureux, une certaine forme de tristesse. Je sens que là, on est au bout du rouleau, hein, c'est le cas de le dire, avec la roue de fortune. On est un peu au bout du rouleau, on en a ras-le-bol, mais peut-être qu'on ne se focalise pas sur la vraie problématique. On est trop focalisé sur nos peurs, mais pas sur... sur la solution, et la solution, c'est de savoir ce que l'on veut et comment faire pour l'avoir. Ici, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans la vie professionnelle? La tour, il y a un cataclysme, une prise de conscience que quelque chose doit s'arrêter, que quelque chose doit être détruit pour être reconstruit, et c'est peut-être difficile pour vous de l'admettre. C'est difficile de reconstruire tout un monde, quelque part, peut-être pour certains d'entre vous. Et cette tour, c'est vraiment tout ce qui se ruine, tout ce qui tombe. Donc, ça peut être l'ambiance qui est complètement pourrie au travail. Ça peut être la liquidation d'une entreprise. Ça peut être toutes les crises, entre guillemets, le fait d'avoir besoin de quitter une entreprise, le fait d'être licencié. Il y a vraiment des circonstances difficiles avec cette tour, hein, qui vous donne vraiment l'impression d'être devant un mur. Comment les choses vont évoluer ici? Tempérance, on va déjà vous inviter à vous, entre guillemets, vous détendre, vous calmer, vous reposer peut-être. Il va falloir de toute façon guérir cette situation avec tempérance. Peut-être qu'il faut discuter avec la tour qui s'effondre là. Peut-être qu'il y a des discussions pour essayer de négocier quelque chose, notamment pour ceux qui pourraient quitter un emploi ou perdre leur emploi. Tempérance pourrait parler de communication, mettre de l'eau dans son vin pour guérir quelque chose. Moi, je la sens un peu négative, cette énergie. On vous dit que vous êtes peut-être très impatient. Très impatient, mais vous, encore une fois, vous ne vous focalisez pas sur ce que vous voulez. Et on vous dit, pour solutionner les choses, il faut guérir et donc trouver le remède, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance dans le domaine professionnel pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en décembre sur les tempérances, sur la tempérance? Le jugement, il faut se réveiller. Vous êtes appelé à vous réveiller, à comprendre quelque chose, à comprendre pourquoi tout cela arrive. Hein. Vous parlez des limitations ici et de l'obligation de voir pourquoi ça arrive. Il faut que vous... compreniez que si ça vous arrive, c'est parce que on vous invite, parce que la réalité, c'est que vous ne voulez plus rester dans cette entreprise, donc vous devez changer.
Ce qui arrive avec les collègues, c'est que vous ne supportez plus d'être un employé et que vous avez besoin de passer au poste supérieur. Donc peut-être qu'il va falloir penser à passer un concours. Voilà, ce qui vous bloque a une raison d'être. Et vous devez le comprendre ici. Le jugement peut peut-être nous parler de cet appel aussi, hein, ici. Quelque chose qui nous apaise dans la crise. Tempérance, jugement, une sorte de miracle qui ressemble à un coup de téléphone ici qui peut nous appeler. Comment les choses vont avancer? Le jugement encore. Donc oui, il peut y avoir quand même dans cette situation difficile cet appel ici. Alors un miracle qui arrivera vraiment, selon moi, plutôt en fin de mois, hein, parce qu'avec la roue de fortune qui est plutôt un symbole de malchance. Là, c'est un appel, c'est pas forcément de la chance pour autant, hein. C'est peut-être une ouverture, quelque chose en tout cas qui peut donner une lueur d'espoir. Qui vous demandera du boulot, hein, quand même? C'est pas un truc, ça tombe tout cuit, j'en ai vraiment l'impression. En synthèse de ce tirage, nous avons le magicien. La conclusion, c'est que c'est vraiment pour un nouveau départ. Tout ce, entre guillemets, ce merdier, hein, que vous ressentez ici, c'est vraiment pour un nouveau départ. Donc cet appel, c'est soit la possibilité de repartir de l'avant, ou alors un réveil, une révélation qui vous permet de comprendre un peu mieux dans quelle situation vous êtes. Et vous avez peut-être besoin de cette révélation ici pour renaître, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Juste, le jugement, c'est aussi la renaissance, la résurrection. Vous avez besoin d'un coup d'électricité, d'une prise de conscience, hein, ici, pour sortir de quelque chose. Une situation qui est vraiment devenue déroutante. Le 6 d'épée. Vous avez besoin de vous révéler et de comprendre qu'il faut partir, hein, vers de nouvelles aventures. Le 4 de coupe. Pour satisfaire votre insatisfaction et votre frustration, il faut partir. Parce que finalement, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez ici. Hein. Vous êtes frustré, vous êtes constamment obligé de rééquilibrer vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Et ce qui fait que vous ne vous épanouissez pas. Une dernière carte sur le magicien. Et après, je vous proposerai des messages de l'oracle, le message des animaux. Alors, avec le magicien, pour les Gémeaux dans le domaine professionnel. Hop. Le pape. Un nouveau départ pour corriger quelque chose et surtout peut-être recevoir l'appui de quelqu'un ici pour un nouveau départ. Mais attention, hein, vraiment, je ressens que ici peut-être vous attendez un peu trop que entre guillemets que le bon Dieu débarque pour vous aider. Il y a quand même une sorte de mécanisme, peut-être qu'ici, vous ne voulez pas tourner, vous n'arrivez pas à tourner quelque chose. Il y a quelque chose de pas encore clair dans votre tête qui fait que vous restez dans la rouille un peu, hein. Mais qu'il y a une possibilité ici de suivre votre voie. De toute façon, vous n'êtes pas loin parce que finalement, il y a vraiment une période de crise ici qui fait que de toute façon, c'est devenu, entre guillemets, insupportable, la roue bloquée comme ça. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Et je vous ai dit que j'allais vous tirer des énergies de l'oracle, le murmure des animaux, j'y allais oublier. Donc pour vous les Gémeaux, quels sont les... Ça fait beaucoup, hein. J'attends, j'ai même pas encore posé mon attention. Merci. Donc quelles sont les énergies qui vous accompagnent les Gémeaux dans le domaine professionnel en décembre? Dans le domaine professionnel en décembre pour les Gémeaux, nous avons... La souris, la foi, ayez la foi. Gardez la foi. Il faut avoir de l'espoir si on veut que quelque chose marche. Même quand on est au bord du fossé ici et qu'on n'en peut plus, on peut plus. La souris aussi vous invite à regarder les choses dans le détail. Parce qu'elle a un petit regard et elle voit les choses de façon un spectre peu large, hein, quelque part. Mais elle est très, très dans le détail. Alors, dans le domaine professionnel pour les Gémeaux avec la souris, la communauté, la vie sociale, la collaboration, travaillez votre réseau, travaillez
Si par exemple vous n'en pouvez plus d'être dans une entreprise, on vous invite, je ne sais pas, à essayer de communiquer, alors discrètement, parce que des fois nos employeurs nous voient sur Instagram ou je ne sais quoi, mais vous pouvez quand même parler à vos amis, j'en peux plus. Donc si tu entends parler d'un autre travail, n'hésite pas. Hein. Voilà, et en tout cas, il y a un travail de communauté aussi, donc peut-être recevoir le soutien de quelqu'un. La vie sociale d'une personne de notre réseau ici qui pourrait intervenir. Ça nous parle du travail aussi et de l'esclavagisme au travail, hein, parce que finalement l'abeille, elle ne vit sa vie que pour son travail, elle a sa mission. Et ici, la foi et la mission, entre guillemets, on nous parle peut-être de votre vocation, de trouver davantage la voie. Qui doit s'ouvrir devant vous par rapport à votre vie professionnelle, en tout cas pour ceux qui la cherchent encore. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en décembre? Le Lynx, vérité, discernement, choix. 3, Saturne, c'est vraiment ça. Il faut regarder certaines vérités en face et faire des choix. On est exactement dans ces énergies ici. Et ici, si vous voulez avoir de l'abondance, il va falloir faire des choix parce que ce que vous vivez actuellement, en tout cas, n'est pas possible, ne vous emmène pas vers la prospérité, semble-t-il. Ok, voilà les amis, Gémeaux, comment je ressens ce tirage? Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. C'est justement le moment peut-être de commenter, de laisser un commentaire pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner et de me soutenir si vous le souhaitez. Merci en tout cas à tous. Vous avez été d'une grande aide ce mois-ci et j'espère que ça va continuer. Merci, merci, merci. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.